L'autre tendance intéressante, c'est que les principaux moteurs du progrès du niveau global de gouvernance ont évolué au cours de la dernière décennie. Là où, au cours des 5 premières années, entre 2005 et 2009, c'était la catégorie développement économique durable qui portait, dans le fond, le progrès du niveau général de gouvernance, ce moteur s'est un petit peu étouffé au cours de la deuxième période. Et c'est maintenant la catégorie participation et droits de l'homme qui, elle, a véritablement progressé et, dans le fond, tire vers le haut le niveau général de gouvernance, qui est vraiment une bonne nouvelle.